Franceville, une ville en plein essor, voit la concrétisation de nombreux projets d'infrastructures routières. En effet, tout comme à Libreville, la capitale du Gabon, l'intérieur du pays bénéficie également de la construction des routes. Sur l'axe Cité-Sokoba, une voie en béton armé est en cours de construction depuis plus de 2 semaines. Lors d'une rencontre avec le conducteur des travaux, nous avons pu en apprendre davantage sur les caractéristiques de cette nouvelle voie. Linéaire de la route à construire ici dans la cité Sokoba de 1 km 200. Et la largeur, comme je disais, ça varie. Nous avons les largeurs de 6 mètres par endroit et d'autres endroits, nous avons à 7 mètres. Oui. Donc ici, précisément, après avoir aménager la plateforme, oui. Nous posons la polyène pour empêcher que le béton soit contaminé et nous mettons les pales à béton pour servir d'enrobage et après nous posons la ferraille, la nappe que vous avez vue là et après nous coulons le béton à proprement parler. Mais ce n'est pas tout, d'autres axes de la province sont également en cours de construction. En parcourant les actes réalisés par l'expertise gabonaise et Trasco BTP, les chefs de quartier et les citoyens semblent déjà enthousiastes à l'idée d'avoir des routes toutes neuves. C'est le commencement, on n'a pas encore terminé. Si ça termine, c'est bon. C'est bon pour moi, avec toutes les populations. Nous sommes les gens là, la rentrée aussi arrive, la rentrée là, je suis 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 là, je C'est ce que nous avons voulu, c'est ça une voie. Les soutenants, une fois les travaux terminés, les élèves ainsi que tous les habitants de Franceville pourront circuler en toute quiétude, facilitant ainsi la mobilité et le développement de la ville.